Ok, je vais vous raconter quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de peindre actuellement. Mais écoutez quand même jusqu'à la fin. J'avais juste besoin d'un support pour vous expliquer ce qui m'est arrivé la semaine passée. Mais avant ça, tu dois savoir une chose. C'est que Dieu accorde sa grâce aux hommes. Alors la semaine dernière, j'avais vraiment besoin d'aide. Urgemment besoin d'aide. Et je disais à Dieu de mettre sur mon chemin des personnes capables de m'aider. Et il m'a répondu, demande et l'on te donnera. Alors demande-le, fais une annonce. Et j'ai dit, mais Seigneur, c'est toi qui m'as dit qu'avec la grâce sur ma vie, je n'aurais même plus besoin de demander pour obtenir quoi que ce soit. Tu as supposé mettre sur mon chemin des personnes qui sont prêtes à m'aider sans que je ne le demande. C'est ça ta faveur. Et il m'a répondu, j'ai aussi dit que je résistais aux orgueilleux et je faisais grâce aux hommes. Et la seule raison pour laquelle tu ne veux pas demander actuellement, c'est l'orgueil. J'ai fait « ouch ». Alors j'ai laissé mon orgueil de côté et j'ai demandé. Et j'ai demandé et on m'a donné. On m'a même donné plus que ce que j'avais demandé. Alors là maintenant, j'ai une question pour toi. Ma question c'est de savoir combien d'opportunités est-ce que tu as manqué juste à cause de l'orgueil. Parce que Dieu il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Pense-y.